Bonsoir. Bon, je m'appelle Becca. Je suis grosse. Je suis noire. Je suis vilaine, merci. Et de surcroît, je suis apprentie comédienne. Voilà. En fait, je suis là ce soir pour me plaindre de mon soi-disant metteur en scène. Voilà. Et ça fait 3 ans que je fais un stage chez une fille qui a 3 ans. Il me dit qu'il reste 2 ans. Voilà. J'ai même pas un certificat, je vous dis. Voilà. Je suis là dès le premier cours. Il me demande de chanter. Et moi, je veux être comédienne. Il me demande de crier. J'ai dit, moi, je veux être comédienne. Il m'apprend comment, il dit, m'apprend comment dormir, comment m'asseoir, et écoutez bien, comment me déshabiller. Ah, voilà, sérieusement. Et c'est comédienne, attends, ma chérie, je ne suis pas ta chérie. Je vais prendre ma place aussi, c'est quoi? Je suis là, premier cours. Voilà, faut faire ça, je fais ça, je fais ça. Lève-toi, je me lève. Et me dis de porter ça. Déchiré. Je suis sûre que c'est déchiré. Mais je vais montrer pourquoi. Ça, c'est mon papa qui m'a donné. Comme mon papa est là, c'est pour moi chanter, il souhaitait bonne mère. C'est mon papa, je le garde. Voilà. Deuxième cours, il me dit, Becca, viens. Je viens. Il me dit, tu es marié? Je dis non. Il me dit, tu veux marier? Je dis non. Il dit, ah, une fille qui ne veut pas marier. Je dis, ça fait quoi? Et ça fait quoi? Mère Teresa, est-ce qu'il a marié? Ça fait rien. Il me dit, ok. Il me dit, tu sais, toi tu es gentil, merci. Tu es cool, et surtout tu es pénétrant. J'ai dit, ah! Pendant le stage, j'étais avec une personne là. Je ne sais même pas comment on peut le qualifier. Je t'assure, tellement il était vilain. C'est pas pour mentir. Dans le dictionnaire là, on a enlevé le mot, on a mis sa photo. Aujourd'hui là, c'est quoi là, il est là. Je vais même vous donner son nom, il s'appelle Sadat Pinkamba. Ouais, c'est pas pour partir, mais il a un dans là comme ça. Voilà, merci. Merci. Monsieur Drapel là, pourquoi ça s'arrête ici? Voilà. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelle Dani quelque chose. Dani, il est petit comme ça. Hein? Il est mince comme ça. Thank you.
seulement combien de personnes dans la salle? Un. Mais tu es sauvé. Voilà. Merci personnes. Merci. C'était après mon daddy. J'aimerais qu'on rende un petit hommage à la petite Yaïva Yarkou. On va te faire, s'il vous plaît. Amen. C'est que je ne comprends pas, c'est comment on peut prendre, non, ce n'est pas ce qu'il faut, kidnapper une petite fille de 6 ans, la violer, la tuer par la suite. Le connard, il n'a pas de ses mots. Mais moi, ce que je me dis, c'est que, quoi, on va les prendre et on les... Toi, tu te demandes déjà comment il va pisser. Quand il va prendre le rapport, on va le... les filles seront tranquilles. Eux aussi, ils sont tranquilles parce qu'ils sont suivis par des médecins mauritaniens. Très fort. Ils sont sûrs et certains de mourir rapidement. Mesdames et mademoiselles et mademoiselles et messieurs, les messieurs et madame, elle est madame, bonsoir. Ah, je vais ramasser ma veste. Comment tu trouves ma veste? Il marche à pied. Hey, j'ai pas fini.
parfois il est descendu. Comment toi tu réfléchis toi? Tu laisses ta bague, tu ne coiffes jamais. Pas de trace à la graine de vie, pas de trace à la graine. Mais c'est quoi ça lui? Il y a la main, il s'oublie même qu'il existe ce connard. Tu n'as pas maturité de dire, mais pourquoi tu ne t'es pas cogné la tête? Pas de problème. Il oublie même qu'il existe. Il y a moi, tu existes, tu es dit. Le maître des cons. C'est ça qui n'est pas. Ah d'accord, on va y aller à fond. C'est le maître des cons, il est là. Il y a des soumis. Je l'ai vu avant-hier, je lui ai dit, tu as dit, il me dit, bah ouais, j'ai mangé un quart de poulet. Je l'ai regardé, je lui ai dit, la rouille, moi, c'est qui a mis ça? Bah, dans mon ventre. Comment tu as mangé un quart de poulet? J'ai mangé, hein. Béni, elle mange, elle grossit. Asa, elle mange. Elle grossit. Et toi, plus tu manges, plus tu petit. Tiens, je me suis dit. Et toi, c'est fini, c'est mon magasin. Je vais te payer une biscuit et gâte. Tu vas te payer. Et puis, ce connard, quand il mange, son cœur fait poc poc. Et c'est pire qu'on fou fou. Et tu vois ces cheveux qui font tchou tchou. Quand tu passes, tu fais tchou. Comme quelqu'un qui. Mais exact, vraiment, ça ne va pas dans sa tête. Ce n'est pas pour rien qu'il est noir. Son cerveau, il a cramé. C'est pour cela qu'il a fait des yeux noirs. Allez, cours! Une fois, son papa l'a demandé, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Il dit, papa, je veux devenir comédien. Tout son temps, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir médecin. Et toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir architecte. Et toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir docteur. Et lui, son père, il veut devenir un comédien. Voilà, un comédien. Un jour, il aura sa femme et ses enfants, et les enfants diront, papa, j'ai faim. Il lui dira, va faire ta comédie. Va faire ta comédie, Yakouya. Non, pas Yakouya, mon fils. Il avait exactement ton âge à toi. Il avait ton âge. Quand il parlait, il disait, je veux devenir comédien. Mais bon, ça n'a pas réussi. Il fait des représentations par-ci, par-là, par-là-bas, par-ici, par-en-bas, par-en-haut, off. Partout. Même maintenant qu'il parle dans l'ancien, tu vas le trouver là-bas. Bonjour. Sérieux, la fois passée, j'étais noyé, j'ai vu là-bas. Moi, je suis en train de le traiter et lui, il veut me faire rire. Oui. Tiens là, oh, comme je veux rire. Non, mais est-ce que vous le connaissez vraiment, ce connard de Daddy? Non. Parfait. Vous n'avez pas besoin de le connaître? C'est un roman. Ah, ça, tiens, mon petit, il n'existe pas. Parce que s'il n'existait pas, on n'allait pas parler de lui. Yahman, tu ne réfléchis pas. Mais bon, alors il a commencé sa vie artistique et un bon jour il a été repéré par une boîte qui s'appelle Institut Fares. Et le monsieur là, il lui a dit, toi, tu commences à devenir, depuis 100 ans il fait du théâtre, c'est maintenant qu'il devient, il commence à devenir un peu expérimenté, un peu... talentueux, un peu doux.
Et il lui a dit, ben, je vais t'envoyer quelque part où tu vas découvrir. Tu vas apprendre. Depuis 100 ans, il apprend. Il n'a pas fini ce qu'on apprend. Mais il va y encore apprendre. 100 ans. 100 ans, il veut une côté. Et avant ça, il était parti à Saint-Louis. Il avait pris R sur Cochin. C'est pas bon, R sur Cochin. C'est pas bon. C'est bon. Déjà, avec les autres, là, c'est. Déjà, avec les autres, là, c'est au-dessus. Elles sont comme ça. Quand tu rentres, tu pas comme tu es. On te dit monte, mais il n'y a pas de montée. Non, j'ai le cul. Elles sont tellement bizarres. Est-ce que vous les avez vues? Non. Eh bien, vous allez les voir. Vous allez les voir d'une jaune. Non, allez, et là, c'est sur place. Sur place, hein? Et bien, sur place. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça, quand ça te regarde là. Voilà, il existe un temps d'affaires. Ça veut dire que tu n'es pas humain. Voilà. Quand ça fait yungu là, dans le haut, et ça dit qu'on toi, ça dit que tu vois, tu foutis. Quand tu cherches ici, que tu cherches quoi, tu vas t'attraper. Et il va pas le monde. Et ça tient là, vers la rivière. Bonjour. Quand l'avion là doit atterrir, problème quoi? Regardez quand on atterrissait là.
Bah, moi je vais. Tu vas m'envoyer en France. Eh ben, prends la France. Il m'a regardé, il dit, bah, ouais, bah, j'ai pas de problème, la France. Et après, elle prend comme ça, toute triste. Descends, je vais y changer, changer de plus de bordel, je vais aller là-bas, mais alors, moi, je me suis là. Et là, il me pose. Parce que quand il m'a vu venir là, elle a fait ça. Je suis resté là-bas. Eh, non, je suis le monde déjà, pareil. Tranquillement. Je me suis installé. Mais tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Et là, ça. Et après, il y a le conducteur là, il dit, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans FAS Interminable. Merci d'avoir pris la compagnie de la compagnie. Nous allons décoller dans 10 minutes pour arriver à Paris. Et après, il y a la version anglaise. Days is Lady High. On Mama and on the team with Air Fresh Air. Vous avez le commandant qui s'appelle François Fresque. Et vous avez vous les OTS. Et moi, ça va. It's not a problem. You're going to. Heureusement, je ne parlais pas anglais. J'ai vu une anglaise, elle dit what caca, what caca, tu dis hey, comment elle passe. Et après, à ma grande surprise, ils ont pris un pompolage. Ils te font monsieur là, parce que il était sévère. Comme que les gens passaient tout le temps à. Oui, je me suis dirigé vers le sévère là, je lui ai dit, monsieur, on va tous ces tissus là, ça c'est pas ça. Et il me répond, bah c'est parce que il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de nani, beaucoup de yamania. Il parle après chez lui. Et là, tu arrives à l'aéroport interminable de voici Charles de Gaulle. Ah. Et ce connard, lui, il a l'aéroport interminable de la scotchine PS, il a marché sur le bouton. Bouton rouillé avec poule. Avec de plein d'eau comme ça. Allez, le bord de là-bas, et le bouton de terrasse. Et bizarrement, il a vu une machine qui roulait. Il a regardé. Il a regardé, il me dit, il lui a dit, quoi il a mis pour regarder. Et on a dit, tu vas où? Ben je vais là où faire. Ça va, je suis plus rapide que ça. Oui. Mais qui est là, alhamdoulilah, qui est là, oui. Et là, on a l'air de prêt.
il regarde gauche, il regarde droite, il ne voit personne. Tout le monde est avec sa valise. Tout le monde est pressé. Pas plus pressé que lui. Tout le monde est pressé, mais pas plus pressé que lui. Lui, quand il marche, les gens le regardent. Il vient tous. Nous, nous sommes pressés, lui. Il est pas pressé, hein. Il a dit à la madame, hé, venez manger. Mais c'est pas la madame, ne connaissait pas c'est quoi, venez voir. Elle a dit, vous, vous êtes hors d'eux. Elle a dit, comme ça, tu vois. Et là, il y a eu. Son beau-frère, sa belle-sœur qui sont venus le récupérer. Oh, ils sont gentils. Ah, c'est bon. J'aurais bien voulu être à sa place, hein. Ça, je vous le montre pas. Et après, ce client, j'ai dit, mais il faut donner la chance à tout le monde. Parce que moi, je n'ai pas la chance de partir. Alors lui, il avait la chance et je le prie comme un bon citoyen lambda. Mais bof, il est parti. Et à un moment, il m'a appelé. Il me dit bonjour de la France. Ça, c'était pour me tuer, quoi. Mais je lui ai dit non, je ne suis pas mort, franchement, je n'ai pas encore venu. Et il est parti à Avignon. Il m'a dit, j'ai dit oui, bonjour d'Avignon. Et là, je n'étais pas mort, mais j'étais presque quoi. C'est Avignon. Mais après, je me suis ressaisi, moi. Et il est parti là-bas, il mangeait matin, midi, soir, il mangeait fromage. Fromage, soir, non. Fromage, n'a rien. Et il a mis une photo sur Facebook, il est devenu blanc. Il est devenu blanc. Pas blanc comme les blancs, mais blanc derrière les gens. Et là, je l'ai appris. Je lui ai dit, mais cousin, ça va? Ça va bien? Toi, qu'est-ce que tu manges? Il me dit, je mange fromage. Elle m'a dit aussi, je suis parti à la boutique, j'ai acheté un vache-curie. J'ai mangé, matin, midi, soir. Mais regarde, toujours moi. J'ai dit, le fromage de là-bas, le fromage ici, là, ce n'est pas la même chose. Là-bas, c'est blanc. Ici, c'est jaune, quoi. Donc, quand tu manges, là, tu vas ressembler au jaune. La balade à la française, il devait repartir. Il a pris tout ce qui s'appelle le bagage. Il est parti à l'aéroport. Par malheur, il est venu en retard. C'est un beau bout de lui. Il est venu en retard de 4 minutes. Les Français lui ont non, la compagnie française. J'ai dit bien, ils ont payé 106 euros. Le lendemain, il ne revenait pas d'un train. J'ai dit, c'est genre les deux bébés ici. Waouh! Tu viens à la table une minute, tu payes 50 euros. Voilà, il t'aime tout ça. Oui, la preuve. Il est venu le matin tel, le donc à la CTA, 10h, il est venu à 6h du matin. Bichi, il est venu le matin, non. Et il voyait dans le ciel parce que c'était de boum, 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 boum. Il verra des gens qui c'était la première. Sauf que c'est là. Et là, tu tues. Là. Il faut juste tousser. Il a fait un scandale là-bas. Il a fait un scandale. Et tu sais, il y a une seule personne qui se venue devant le train. Ça, c'est ce qu'il a appris en France. Matin de bonheur, tu vois quelqu'un et tu dis bonjour, monsieur. Quand tu n'as pas encore mangé, quand tu dis bonjour. Et il a dit bonjour, monsieur. Oui, vous allez bien? Oui, oui, monsieur, j'apprends ma vie. Et là, le pilote a encore répété le même remise qu'il avait rencontré en avant. Sauf que maintenant, il a ajouté autre chose. Décollage imminent. Quand ça dit décollage imminent, là, à Maï, c'est une voiture. Ça fait brrr, ça vibre dans la tête. Moi,
qu'il va pleurer. Roger. Tu ne respectes pas mon frère. Hey, ils étaient dans les airs. Ce moment-là, ils regardent comme ça. Ils voient de loin. Point. Le gars, il a eu la galette dans l'avion. Il n'y a pas de douce. Là, mon frère, tu vois ton cousin. Yeah. A Phoenix.
Il voulait se marier depuis longtemps. Mais le problème, il a dit à une fille, je veux te marier la fille. Il a dit, je ne réfléchis que 2 ans. 3 ans. Non, je suis très occupé avec les études, avec la crise, avec les idées, avec mon ami. Et lui, il n'est pas qu'il a laissé la fille à la bataille. Il est nié, non, il est nié. Et après, il s'est dit que va, je ne peux jamais dire à une fille, je veux t'épouser. Qu'en fait. Et alors, le Dieu dit qu'il va se marier. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Alors, il a pris son portable, je vais me marier. Mais avec qui? Je ne sais pas. Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que le tes parents, ceux qui décident que tu vas épouser l'autre là, c'est génial. Tu viens, tu es tranquille. Et ils vont aller régler le tout là. Et ils vont venir. Et tu vas t'asseoir, tu vas dire, je n'ai pas besoin de vous donner là-bas. Ils vont faire cotisation, ils vont t'appeler ça. Et après tu vas en lune de miel. Mais le problème c'est que lui là, il est venu, il me dit, mais je vais me marier, mais je ne sais pas avec qui. Ils se sont parlé au téléphone apparemment. Et je lui dis, bah, je vais te conseiller mon frère. Appelle-la. Tu parles gentiment. Lui, il dit, non, je ne parle pas gentiment, d'abord il die. Ah bon? Et comment tu vas faire? D'abord il die. Je vais écrire quelque chose là. Je vais l'appeler. Walid, elle ne va rien comprendre. Ça va rentrer ici, ça va faire coucou dans cette place, ça va ressortir ici. Elle ne va rien, absolument rien comprendre. Et je lui dis, mon frère, fais attention. Les filles villageoises là, elles sont très fortes. Parce qu'elles n'ont pas Facebook, elles n'ont pas Demobook, elles n'ont pas un autre Facebook, elles n'ont pas. Et là, elles ont des règles. Elles sont très fortes. Et il me dit, bah, moi, je m'en fous, de toute façon, je vais aller écrire. Et il a commencé. Il allait perdre. Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas. Mais quel genre de couple je vais être? Couple à quoi? On a un couple algérien. Vous connaissez le couple algérien? Attendez. On tire en la naka s'approche. Parce que dans cette capitale,
Ils ne savent pas que le couple il allait être. Ou bien le couple français. Le français, lui, il veut devenir un Africain. Bon, t'as vu mon boubou? On se promène là? Non, on va sur le lit de sable. Quand tu as un boubou, tu marches sur le lit de sable. Oh chérie, je peux pas rien. Allez, petit patron. Et vous bien, il sait pas où vient le couple. Vous connaissez le couple? Parce que vous souvenez que nous nous disons en France, le France là, c'est pas vraiment la France. C'est où? Alors, c'est, comme disait maman là, c'est quelque part, proche de France. Alors, quel couple il allait être lui? Lui, il était migrant comme ça. Non, je suis plus gros que lui, c'est pas. Et j'ai entendu dire que la femme que son père a choisi, elle est grosse, grasse, et toute petite comme ça. Je me dis à maman, si c'était grand, qui demande qu'il nous paye. Et alors je me dis, reste zen. Zen, hein? Zen, ne porte pas de boubou, ne porte rien. Il faut être tranquille. Allez là-bas. Conseil. Tranquillement. Et alors,